Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, je vous viens avec un vidéo nettoyage. Donc habituellement, le ménage, moi comme je vous ai déjà dit dans ma FAQ, je suis quelqu'un qui est obsédée par le ménage, j'aime pas quand c'est sale. Donc c'est rare que j'ai à faire tout ça en un moment. Je veux dire, c'est sûr que des fois il y a la toilette à laver, des fois il y a la cuisine à laver et tout, mais de base, c'est rare que j'ai tout à faire en même temps, comme que tout soit sale en même temps. C'est clair que si la cuisine est sale, ben la toilette souvent elle va être propre et tout ça. Donc là pour je voulais vraiment vous venir avec une journée que j'ai passé 3 jours et je me suis laissée aller. Donc aujourd'hui je vous viens avec une journée ménage dans ma vie, donc clean with me. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais quand c'est le bordel à la maison. Souvent c'est des choses que je fais pas mal souvent. Je laisse pas l'accumulation s'accumuler, donc c'est clair que quand je vais nettoyer, ça va pas être un gros bordel, parce que à la base, je m'assure que ma maison soit toujours propre. Comme moi, je suis pas capable. Quand c'est sale, ça me rend folle. C'est une phobie. Moi, genre, je suis vraiment la manie de toujours, toujours, toujours nettoyer. Donc, vous allez voir que dans ma routine, il y a même certaines choses que je nettoierai pas parce qu'ils sont déjà propres. Que voilà. Mais sinon, je voulais vraiment vous montrer un peu ce que je fais quand que je suis à la maison avec bébé et que je dois faire le ménage et tout ça. Donc, aujourd'hui, on se motive, on se lève, on met de la musique et on nettoie notre maison. Voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser un thumbs up à cette vidéo pour tous ceux qui sont nouveau ici. Je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo de moi. Alors sans plus tarder, on y va. Donc tout d'abord, je vais commencer par la vaisselle parce que personnellement, je trouve que c'est ce qui fait en sorte que la cuisine a l'air vraiment, mais vraiment en bordel. Puis une fois que la vaisselle est faite, malgré qu'il peut y avoir des choses qui traînent un peu partout, c'est pas si pire une fois que la vaisselle est faite. Donc je vais vraiment nettoyer tout le coin de la vaisselle. Ensuite, je vais passer au coin épices. Donc, je vais pas vraiment tout enlever parce que personnellement, je m'assure toujours que c'est propre. Donc, c'est souvent vers l'avant qu'il y a des fois des petits morceaux de sel ou des petits morceaux d'épices qui ont tombé. Surtout quand on a des sachets de HelloFresh. Les sachets, on peut pas vraiment les fermer complètement. Donc, des fois, les sachets tombent et je veux juste m'assurer que il n'y a pas eu de petites bibites qui ont rentré dans les sachets ou que... Tout simplement, les sachets ont tombé, donc je vais passer un petit torchon là et ici, vous allez voir. Et je vais également faire aussi le coin du haut du four.
par la suite, je vais tout de suite remplir les biberons de lait de Riley. Là, il manquait 3 biberons à l'appel. Je ne les trouvais pas. Souvent, c'est qu'ils se faufilent en dessous de notre lit ou en dessous du sofa. Et au stade de ma grossesse, je ne peux pas vraiment me pencher pour les prendre. Donc, c'est quand mon copain rentre du travail que je lui demande d'aller faire un tour en dessous de tout ce qui peut, tout ce qui aurait, ou ce qu'il aurait pu les cacher. Et voilà, donc je vais continuer de nettoyer la cuisine. Et voilà, je vais aller nettoyer la table, etc., etc. Donc, je vous laisse observer ce que je fais. Donc là, c'est le moment que je déteste, c'est la lessive. En fait, nous, on fait de la lessive pas mal, presque tous les jours à cause du travail à mon copain et également parce qu'on a un enfant et on va bientôt en avoir un autre. Donc, la lessive, c'est vraiment tous les jours. Et avant, je l'accumulais et je ne les plaçais pas tout de suite. Mais maintenant, j'essaye de toujours me motiver à placer la lessive aussitôt qu'elle est faite parce que sinon, quand que ça s'accumule, il n'y a plus de panier. Là, c'est le bordel et tout. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais oublié de partir la laveuse. Donc ça, c'est des choses qui arrivent quand on est enceinte et qu'on a des pertes de mémoire. Donc je pensais que j'avais parti la laveuse et non. Donc j'étais en train de laver les vêtements de 12 mois et plus de notre deuxième bébé et j'avais totalement oublié de partir la machine. Donc là, je l'ai partie et je vais aller nettoyer la toilette avant de placer la lessive. Comme je vous dis, j'aime pas faire placer la lessive. Donc des fois, je fais juste faire tout ce que j'ai à faire avant et je fais ça en dernier.
Donc, bien sûr, qui dit journée nettoyage, je ne suis pas tout seule à la maison pour faire toutes ces tâches sans m'arrêter un moment. Donc, il a fallu que j'aille donner une petite collation à mon fils. Donc, j'en ai profité pour m'habiller confortablement. Honnêtement, je serais restée en robe de chambre toute la journée. Mais là, je m'étais changée parce que de toute façon, je voulais filmer une autre vidéo. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je me motive. Je vais devoir me maquiller et m'arranger tantôt. Donc, let's go, Moïka. J'ai mis des vêtements. Donc, là, je continue le ménage. Je fais la douche et le bain était très propre, comme je vous ai dit. Donc, j'aurai pas à le nettoyer. Donc voilà, je vais tout simplement continuer la routine de ménage. Ensuite, on passe à la chambre et habituellement, je suis vraiment rendue épuisée et tout. Mais bon, quand il faut nettoyer, hein, surtout quand que c'est le bordel, on veut pas que ça reste comme ça. Et avec des enfants, dites-vous que le ménage, vous allez en faire et que ça fait partie de la vie, quoi. Il faut faire du ménage. Donc, je vais continuer de nettoyer. Et dans ma dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire d'une fille qui s'intéressait beaucoup au fait que j'avais ce set de draps. Je pense que j'ai 3 vidéos avec ce set de draps. Personnellement, je change mes draps quand ils sont sales, sinon je les laisse et c'est tout. Je trouvais ça vraiment drôle qu'il y a du monde qui a des questionnements sur certaines choses. Vraiment, je trouve un peu banal parce qu'à la base, je filme pas à chaque jour. Donc, si je change mes draps, peut-être que j'ai pas filmé et tout ça. Et de base, ces draps-là sont mes préférés. Donc, c'est clair que quand ils sont sales, je les lave le même jour et je peux les remettre le même jour. Donc, juste pour les questionnements, je trouve sérieusement, des fois, il y a des commentaires qui me font vraiment rire et tout. Ben bref, hein, on s'en vexe pas. Hein. On en rit. Thank you.
j'ai terminé. Oh mon Dieu, quelle fierté, enfin, quand on termine de faire un gros ménage de toute notre maison. Hein. Honnêtement, moi, ça me fait tellement plaisir parce que c'est clair que quand... Et le fait que je suis mère au foyer, c'est sûr que mon copain, quand il rentre du travail, je ne veux pas qu'il rentre et qu'il y a le bordel. Genre, j'ai l'impression que je fais juste me la couler douce. Là, c'est sûr, je suis enceinte. Donc, même lui, il me dit des fois, il ne comprend pas comment je fais. Je suis toujours sur mes deux pieds. Mais ça fait partie de ma personnalité. Si vous connaissez ma mère est exactement comme ça. À l'âge qu'elle est rendue aujourd'hui, elle travaille encore temps plein malgré qu'elle n'a plus d'enfants en charge et qu'elle a sa maison. Donc voilà, donc là je me suis fait un bon smoothie et tout et je vais juste aller me relaxer. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit à la prochaine pour une prochaine vidéo.